Oui, alors, pourquoi ? Pourquoi trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore ? Je dirais que c'est probablement une réponse compulsive à une crainte de m'attacher. Briser une relation plutôt que la cultiver pour ne pas se retrouver démuni face au bonheur. Oui, pour répondre à votre question, j'ai peur d'aimer. Tempora mori, tempora mundis recorda. Sanctis recorda, sanctis Deus Rex. Ce qui veut dire absolument rien. Pourquoi? Oh, il est complètement zinzin. Il y a un mec qui me suit depuis une heure, mais... C'est qui? C'est Alexis. Mais tu sais qu'il nous suit depuis au Ray à pied? Oh putain, allez hop. On va rejoindre Eve et Théo aussi. Allez. Oui, vous présentez l'équipage. Alors, il y a Noël Archer. Lui, on ne sait pas qui c'est, il nous suit depuis une heure. Bonjour, voyageur. Non. Ah, vite. Et ensuite, on va aller voir qui c'est qu'il y a avec nous. Allez. Il y a Eve Joussel, Pete, voilà, c'est pour rattraper les autres. Là, il y a Mathieu, le compagnon, qui n'a pas de bâton. Et là, il y a le guide de haute montagne. Allez. Arrière. Ah ! C'est pour le Kodak. Oui. Alors, Tim. On vient de passer le refuge de prêt payé là-bas. Donc, il est assez grand, assez moderne et tout, mais. On a décidé de marcher encore une heure et demie s'il faut. Oui, il fait encore un peu jour. Et pour rejoindre le refuge des aiguillettes qui est plus petit, on sera plus à l'étroit. Voilà, donc... Mais la chaleur humaine, il y a que ça, de vrai. Voilà, en sachant... Oh, il y a un âne là-bas. Donc, on un âne. Donc là, on va passer cette petite colline merveilleuse. Oh. On vous contacte à ce moment-là parce qu'on verra le grand Vémont. Oh. Peut-être même le mont Aiguille, et là, ça serait... Ça serait grave. Un orgasme paysager. Alors par contre, le problème, c'est qu'on a un gars qui nous suit depuis tout à l'heure. Le mec là devant, à droite, avec le petit sac bleu. On lui a dit, mais on vous connaît pas. Est-ce qu'il y a moyen, on peut l'appâter avec de la nourriture? On dispose des... Bon, il va falloir sacrifier quelques petits bouts de fromage. Mais on les dispose en rond. Il va tourner pendant un moment. Comme le chien l'autre jour. Alors, mais on met une caisse en bois, un bâton au-dessus de la caisse. Tire en temps. Et paf, on tire la ficelle. Le bâton, il tombe et tout. Et là, il est marron. Ça va. Comme un marron. Comme un marron. Qu'est-ce qui est petit et marron? Théophile. Ah. Oui. Il sait pas si c'est tout droit. C'est pas indiqué. On va faire demi-tour très vite, je sens. C'est extraordinaire. L'émotion reste intacte. À chaque lecture. Je suis désolé, moi, ça me rend au moins curieux. Parce que votre existence est merdique, mon pauvre ami. Vous avez l'œil qui brille à chaque fois qu'un oiseau pète. C'est triste à voir. Ça fait des années que vous menez un train de vie de noix de Saint-Jacques. Alors, évidemment. Des gens au sommet? Non mais qu'est-ce qu'il y a? Mundi placet et spiritus minima. Ça n'a aucun sens sur les fronts. Tim. Waouh. Alors bienvenue au site de campement. La chanson de Roland. Parce que du coup, pour donner suite à la première partie du blog, le second refuge des aiguillettes. Là-bas. Occupé par les connards. Ah pardon. Non. Ils nous ont dit bah désolé. Bon, en même temps c'est vrai qu'il y a un peu de place quoi. Quoique ici, du coup on s'est mis là. On a... Ah, oui. Oui, mais là on a un coup de soleil incroyable. On a un lever de soleil incroyable le matin et on a la vue sur l'objectif de demain. Voilà, ça on va regarder ça. On reparlera quand on aura plus d'orteils parce qu'on aura eu trop froid. Et... Oui, ils vont tomber. Ah oui, mais Mike Horn il a des techniques pour ça. Ah, ah oui. C'est la bergerie de quoi? Bergerie interdite.
C'est la forêt interdite à côté. Peut-être que c'est là où je pense qu'on a semé l'homme qui nous suit depuis tout à l'heure. Ah ça y est. Bah ouais, mais il y a Mathieu qui allait le chercher. Ah non, c'est quoi? Oh non. Mais de toute façon, ils veulent mal le prendre parce qu'ils croient qu'on veut pas lui. Mais non, c'est juste un running gag. Et c'est vraiment magnifique là. Ça fait vraiment des plateaux. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça un plateau. Waouh. Incroyable. Bah essaye. Salut. Hello. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Oh pardon. Salut. Oh là là. Alors, une petite. Oh putain. Une petite update. Tim, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oh non, je n'ai rien à dire. À part. Il suffit juste de contempler ce qui se passe. Mais oui, en fait, on dort à la belle étoile parce qu'on s'est fait niquer. C'était prévu, hein. C'était. Moi, je pense pas dire ça. Je pensais qu'on aurait vraiment un bon karma, mais en fait, non. Ça, et voilà, donc on est dans nos sacs, sous le ciel qui sera bientôt étoilé. C'est joli. Là, il y a les pieds d'Alexis qui en short. Un peu cher. Voilà. On a mangé du fromage. Oui. Une réelle expérience de montagne. Oui, c'était trop chouette. Ah oui. Voilà. Et pour demain matin, il y a des madeleines pour tout le monde. Ouais. Demain matin, il y a des anchois. Ouais. Alors, second jour dans le Vercors. On vient de passer la nuit à la Belle Étoile parce que du coup, on n'avait pas dans le refuge. Et là, on repart marcher. Il nous reste à faire le Grand Vémont qu'on voit qu'il est passé là-bas à 2350 mètres. Voilà. Mètres. Et t'as passé une bonne nuit, Nono? Ouais, franchement, nickel. Ah ouais. Pas de soucis particuliers, quoi. Ok. Et toi, Luxi? Ah non, on ne connaît pas lui. Ah, il nous suit depuis hier soir. Il a dormi à côté de nous. Mais oui. Oh, là, on voit le Grand Vémont. C'est l'objectif de avant qu'on mange ce midi. On va voir les autres copains. Un petit mot pour la télé du Vercors? Oh ben, bah, c'est génial, c'est pas mal, il fait beau. Oh ben bah merci. Bah, j'ai plutôt bien dormi. Ah, chouette. Ok. Et toi? La nuit s'est bien passée et là on va attaquer l'ascension du Grand Vémont. Oh. Voilà. Bon. Et j'ai bon, une du quête coup, pour vous. Ah, du coup, on l'a amené avec nous celui-là, finalement. Je dors avec vous. Finalement, on le garde. On pourrait taper dans les ravioles. Non, non. Bon, prochain épisode, sommet du Grand Vémont. C'est parti. Je vais me moucher. Je sais pas si on le voit. Il y a un chamois slash bouquetin parce qu'on est con et on sait pas faire la vie. Hein? Vémont, voilà, petit Vémont. Et là-bas, le mont Aiguille qui passe derrière les nuages. On vous dédie aussi. Oh, bonjour. Je travaille au PNR des hauts plateaux du Vercors. Ah, la chance. C'est moi qui ai planté tous ces arbres. Oh, il y en a combien? Il y en a 12. Ah, j'avais dit 16. Ah bah ouais, mais comme quoi on n'était pas loin. Ah oui. On n'est pas une vache près, hein. C'est pas non plus. Ah oui, c'est... On y va au dos de la cuillère. Ouais, on a une belle vue au sommet. C'est très dégagé en pareil, plus. Pareil, mais une année bonne et l'autre non. Et sans vacances et sans sortie. Les vignes courent dans la montagne. Le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette.
C'est l'eau qu'on a bu. Oh, americano, americano. Voilà, petite descente sympa du Pierrier, de ce grand et magnifique cirque. Donc on va, avec Nono, à notre tour s'engager sur la descente. Donc on va rattraper les copains qui ont pris de l'avance. Et voilà, ça s'annonce très sympa. Voilà. Tadam. Attention, ça glisse. Alors. On est bientôt arrivé, hein. Oh oui, on a pas mal aux pieds. En plus, une fois arrivé au parking des Fourneurs, on est arrivé, n'est-ce pas? Non, parce qu'on doit encore descendre je sais pas combien de mètres pour atteindre la voiture. 2 km. Alors que Tim avait dit qu'elle serait impraticable, cette route. Est-ce qu'elle était praticable? Oui. Ah, on a grand. Désolé, mais... Je suis désolé. Ah. Parce que ce soir, on mange des... ravioles chips. On est arrivé. On n'est pas facile. C'était bien. Qu'est-ce que t'en penses? La pierre est chaude. La pierre est chaude? L'eau est plate. Mais il est même pas midi. Allez, on y va. C'est ouais. Parti. Allez. Il y a Mathieu qui se baigne. Elle est très très froide. Ouais. Et non, c'est pas vrai. Je suis pas dans l'eau. Bonjour. Là, on est dans la rivière. Et Tim se met à l'eau. Moi. Elle est un peu fraîche. Il n'y a pas de soleil. Oui, il n'y a pas de soleil. Elle est un petit peu fraîche. Oh! 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 Oh. Oh. Et là, il y a une petite cascade. Oh. C'est tout à fait grandiose. Et là, il y a Mathieu qui essaye aussi de rentrer tant bien que mal. Je vais aller là-bas. Attends! On va où? Dans ton cul. Un okay. Fidline, tête d'accord. De tigre. Ils sont tous trop cons, faux jeu. On a rien qui me suive. On est encore en train de marcher. On s'arrête jamais de marcher ici. Marche pas, on se promène. Marcher. Le marché de Pont-de-Barré. Le marché de Dieu le Fit. Marcher dans la montagne. Rien à voir. Oh, il y a un papillon. J'ai les fesses, je passe. J'ai les fesses. Mathieu, t'as tout. Non, j'ai un téléphone. Mais vous voulez la frontale? La bougie s'est éteinte. Tu veux le frontal, Tim? Non, j'ai mon téléphone. Ah,
ça sent vraiment le PMU sur ma tête là, ça sent la vie. C'est horrible. Oh la vache! Ah oui, attends. Le sac, c'est pas là. Ah, oh, ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, c'est. Ah! Alors, c'est une. Dieu! Ah! Ah! J'ai pas envie qu'elle me tombe dessus. Non, c'est des bestioles d'Harry Potter. C'est vrai, c'est les mêmes. Ok, c'est des insectes, ils ne peuvent pas nous faire de mal. Ah, j'aime pas quand ils bougent. Ah, mais il y a un truc de gravité, mais faut arrêter de parler aussi. Ok, pardon. Oh putain. Merde, merde. Et comment tu passes là-dedans? C'est ici que l'ermite Saint-Maurice a passé de longues nuits en solitude pour se masturber à la pluie du cap. Ça, tu ne l'as pas vu. Oh. Ça va, là, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui touchent. Pardon. Un carré rouge sur ton nez. Comme la sauterelle hier. Tu mets une grosse sauterelle sur le nez. C'était quoi comme espèce? Un phanéroptère commun. Bon allez hop. On va faire un petit tour du propriétaire. Bienvenue au bureau de me prendre une salle. Alors, je vais faire la visite. Ah oui, alors je peux pas dézoomer, donc ça va être des tout petits bouts de ton appart que je vais montrer. Ah oui? Ah oui. Non, je vais juste faire. C'est que ça. C'est là où vous cachez votre drogue? Non, non, c'est juste pour reprendre un bâton de... Ah oui. Alors, là, vous avez la porte d'entrée. Ah oui. Vous. Ah, c'est là, il y a des cartes hygiène pour pouvoir faire des randos ah oui. diverses et variées. Il est ici. Faut taper dessus de temps en temps, sinon il se croit un peu à l'aise. C'est dit. L'ocre de la caverne. Ah oui. C'est un pote du soldat malheureux. Ah, ah oui, ici. Alors soldat malheureux. Aïe. Ah, il y a sûrement Mathieu qui va sortir des toilettes et tout. Là, vous avez nous donne un peu de chill, livre, musique, canapé. Oh, c'est charmant. Connexion internet. Au débit. Au fou. Faut ouais. pas trop demander. Ah. Il y a un pied, c'est le coin cuisine. Tac. Là, un dessin de l'archer. Oh, c'est moi qui ai fait, c'est un arbre. Aïe. Ça, c'est Sri Vishwananda. Ah, c'est Mathieu qui va sortir. Qui tire la chasse. Ah, c'est charmant. Voilà, ça détecte ton oreille maintenant. Oh. Ah, oui. Ah, oui. Tu peux observer. Ah, oui. Attends, tu veux que je... Attends, ah, oui, et règle avec ça la netteté. La netteté. Quand c'est pas net, tu... T'es pas net. Mais si, je suis très net. Là, il y a Alex, plus connu sous le monstre du studio. L'homme goujon. L'homme goujon, c'est bien. Ah, il a mis ses lunettes, il peut nous voir. Il faut qu'on descende. Allez, allez, on va. Tu fais... Ah, il accroche avec ses pieds. Comme quand on fait le cochon pendu. Oui. J'avais même vu ça, ça me voir, mais on a tué. On a tué, on peut rentrer? Bah non, je pense pas. Mathieu ? Bonjour voilà. Mathieu, tu passes à la télé Mathieu ? Oh bon bon bon. Ah non, sortez chez moi. Ok, voilà.